Et voilà, bonjour à tous, bienvenue pour ce challenge Jules Georges. Alors vous l'aurez peut-être marqué, on a changé de configuration, on s'est mis un peu en hauteur, on verra un tout petit peu moins de la piscine, mais on n'aura pas les juges arbitres dans le chemin de la caméra. Donc voilà, bienvenue à tous, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, on espère que la fin d'année était bonne et que vous êtes prêts à redémarrer cette année déjà. On est le 14, le dimanche 14 janvier 2024, et on est ensemble pour une journée du challenge Jules Georges 54e édition, préparée par le Mosan, auxquelles participeront un ensemble de natations. C'est une compétition organisée conformément au règlement de la Fédération francophone belge de natation et de World Aquatics. Nous avons aujourd'hui comme juge arbitre Maria Willems, et ça se déroule à la piscine communale de Jonfosse à Liège. Voilà. Alors si on a le temps, je referai un petit historique de Jules Georges. Parle plus tard, un peu plus tard, mais en attendant, la compétition a démarré. Elle démarrait il y a quelques minutes. Donc voilà, on a pris l'antenne un tout petit peu tard. Je vous rappelle que les jours, ce sont des compétitions de 400 mètres, d'accord? Exclusivement 400 mètres. Et donc, que nous accueillons cette année le cercle de natation de Huy, que j'appellerai CNHUY, le cercle nautique de Sinamène des Flippers, l'école de natation de Warem, l'école de Serein Natation, le Flipper Club Natation de Saint-Georges, le Liège-Mauzan, le Liège Natation, le Namur Olympic Club, le Royal Verviers Natation, le Swimming Team de Dison, les Tritons Anse Natation et le Val de Meuignes Natation. Voilà, pour un total de 143 athlètes qui sont présents aujourd'hui. Ça va, hein? Voilà, tous des clubs belges donc. Et l'organisation de la journée se fait en deux sessions, une session matinale, une session de l'après-midi. Session matinale qui démarre de 9 et qui nous amènera à 10h45, et une session de l'après-midi qui démarre de 14 et nous amènera à 16h42, pour être ultra précis. Hein, vous voyez qu'on rigole pas avec le planning. Ok, donc pour rattraper dans les séries, on avait une première série tout à l'heure. Épreuve fille nage libre 400 mètres 12 ans. Je pense que la série 1 a eu lieu. Nous devrions être à la série 2 ou à la série 3. Donc je vais essayer de rattraper. Alors j'espère que l'image est ok. Je me rends compte qu'on est un tout petit peu croppé. Il nous manque un tout petit bout de la course, notamment les virages. C'est pas encore optimal comme position. Il faudra vraiment un jour que je trouve la position idéale. Mais la piscine de Jonfosse ici n'est pas spécialement évidente. Voilà. Alors, je vais essayer de reprendre. Je vois qu'il y a une nageuse de Moser. Voilà, nous sommes à la série 3. Série 3 de 3, donc, pour les filles 400 mètres 12 ans. Et au couloir numéro 1, donc celui que vous voyez en bas de votre écran, vous avez Inès Abouaderrahmane de Warem qui nage en 5'44'56, couloir numéro 2. Jenny Kremer du Tann en 5'20'40, couloir numéro 3. Gwenaline Gilin, Guilin, pardon, non, Gilin, ouais, voilà. Du Mauzan en 5'04'68. Livia Laplaca, couloir numéro 4 du Mosan en 5-12-14. Couloir numéro 5, Eléa Schmidt de Liège Natation en 5-36-66. Et couloir numéro 6 au bout de votre écran, donc en haut de l'écran, Élise Dormal du Flipper Club de Natation de Saint-Georges en 6-02-86. Donc le temps plus rapide ici, c'est celui de Gwenaline, couloir numéro 3 que vous voyez ici en tête, suivi de Livia Laplaca. Donc des distances de 400 mètres, je vous le disais, nous sommes dans un bassin de 25 mètres, faites le compte. Ça va donc être des courses relativement longues, d'accord? Alors ici, on est sur des nageuses de 12 ans.
Voilà, ce sera suivi par l'épreuve des garçons 400 mètres nage libre, 12 ans. Alors, je vais regarder un petit peu avec vous le programme pour ceux qui ne l'ont pas. Pour ceux qui ne l'ont pas, il est possible de le trouver également sur le site de Mauzan dans les news. Donc, sur le site du liegemauzan.eu, vous retrouverez le programme entier dans les news, sur les actualités, sur la page principale. Et donc je ne vois que du 400 mètres nage libre. Donc il n'y a pas d'autre type de nage. Ce sera du nage libre toute la journée. Voilà, déjà pas mal de monde aujourd'hui. Mais ce que je vous propose, si vous avez un petit peu de temps, c'est d'éventuellement venir nous rejoindre à la piscine de Jonfosse. Vous serez les bienvenus. Il y a de quoi boire, il y a de quoi manger, et surtout, il y a des beaux athlètes qui nagent. Toute cette journée de dimanche, puis de toute façon dehors il fait un peu moche, donc entre la neige et la pluie, on est bien à l'intérieur. Voilà, on diffusera la compétition en entièreté aujourd'hui. On fera juste une pause alors aux alentours de 11 h. Pause qui se terminera, qui reprendra alors à 14 h. De façon à ce que chacun puisse suivre la compétition. Allez, série 2. Épreuve 2, série 1 de 2, 4 nageurs. Couloir numéro 2, Flavian Ferron de l'ESN, 100 ans de référence. Couloir numéro 3, Ryan Motis du Mauzan en 5,54,13. Couloir numéro 4, Mirko Zambito de l'ESN en 6,31,11. Et couloir numéro 5, petit changement par rapport au programme, c'est Gabriel Miscoria Baganella pardon, de Warem en 6,27,05. Qui occupe donc le couloir numéro 5 en haut de votre écran. Voilà, 4 nageurs donc, tous 12 ans toujours, tous nage libre et 400 mètres pour eux aussi. Voilà, bienvenue à cette journée si vous nous rejoignez maintenant. On espère que la diffusion sera un peu bonne pour cette année. On s'est équipé un peu différemment pour garantir une connexion qui est un peu plus qualitative que ce qu'on malheureusement on pouvait avoir l'année dernière. Et voilà, ici, ça semble être Ryan et Gabriel, c'est même Gabriel peut-être, qui ont pris la tête de cette série. Peut-être l'occasion de vous présenter le challenge Jules Georges. Voilà, donc en 1968, c'est Lucien Pearson, donc le père de la natation belge moderne, fonde le MOSA. Et pour la première fois en Belgique, il expérimente en compagnie de son épouse Jenny Button une nouvelle technique d'entraînement venue d'outre-Atlantique. D'accord? Cette technique révolutionnaire privilégie l'entraînement des jeunes, le travail d'endurance plutôt que celui de la résistance. Et malheureusement, excepté dans les championnats officiels, les épreuves jeunes ne dépassaient pas la distance de 200 mètres. Et c'est pour cette raison que Lucien Pearson, le MOSA, en 1969, ont créé un challenge où la seule épreuve était une épreuve de 400 mètres nage libre disputée selon la formule âge-groupe. Le challenge sera disputé sous forme d'interclub où la victoire sera attribuée au club, au collectif du club, plutôt qu'à une ou l'autre individualité. Au même moment, Jules Georges, industriel liégeois et grand mécène de la vie associative sportive de la région, pressentit l'importance de cette évolution technique dans le monde de la natation et dès lors il décida de parrainer cette épreuve et voulut la gratifier d'un challenge cyclique valorisant le travail de la formation des jeunes au club. Le challenge Jules Georges est donc né. Dans un premier temps, il a d'abord été organisé à Namur sous la forme de finale directe et puis rapidement l'épreuve a été victime de son succès. En 1973, le Meuzan fut amené à mettre en place des collaborations avec d'autres clubs pour organiser des éliminatoires dans chaque district
et les meilleurs temps réalisés dans chaque catégorie d'âge de ces éliminatoires étaient rassemblés pour une grande finale qui eut d'abord lieu à la piscine de la Souvenir à Liège et puis à partir de 1977 à la piscine olympique de Seraing. Encore aujourd'hui, le challenge peut s'enorgueillir d'un palmarès individuel remarquable destiné aux enfants de 9 à 14 ans. Le challenge est rapidement devenu un événement incontournable du calendrier de la natation en Belgique. Il récompense le club qui, le jour de la finale, a additionné le plus grand nombre de points dans 12 catégories différentes. Et donc, c'est donc fier de se passer que les clubs continuent de contribuer à travers cette compétition aujourd'hui à l'avenir de la natation belge. Comme ça, vous connaissez tout sur le challenge, le MOSA, Monsieur Jules Georges. Un peu d'histoire ne fait pas de mal. Alors, peut-être parler des records du challenge. Alors, qu'est-ce que j'ai comme information? En 2023, c'est Warem qui était en première place, Liège Natation en deuxième place et le Perron en troisième place. En 2022, c'était Warem sur le podium, Liège Natation deuxième position et le Mosan troisième position 2020-2021. Pour les raisons que tout le monde connaît, nous n'avons malheureusement eu pas l'occasion de présenter cette compétition ou d'organiser cette compétition. Tout le monde le sait. Allez, on est toujours cette série 1-2-2 là. Avec, vous le voyez à l'écran, Ryan. Qui progresse bien. Gabriel. Au coude à coude avec Mirko. Et puis Flavian. Couloir numéro 2, un tout petit peu décalé de ses camarades. Allez, 400 mètres, c'est toujours un petit peu plus long. Plein de suspense. Dommage que l'angle de la caméra soit un tout petit peu court. On rate légèrement un des deux virages. J'ai peut-être changé l'angle pour qu'on puisse voir plus l'arrivée avec le virage au bout. Dans tous les cas, il va nous manquer un petit bout. Allez, si vous prenez votre petit déjeuner, si vous êtes chez vous, bienvenue sur Liège Moser Natation TV. Une chaîne qui n'est pas réservée au Mosan, qui est réservée à tous les clubs de la région ou même aux régions qui souhaitent permettre aux gens qui ne savent pas venir aux compétitions de les voir. Hein. C'est évidemment notre but premier. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à liker la vidéo, peut-être vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça nous fait plaisir et ça vous permet de rester au courant de toutes les compétitions que nous rediffusons. Allez, je vous ferai bien partager ma vue d'ici. Je suis un peu sur les hauteurs de la piscine. Et donc j'ai le petit bassin d'échauffement sur la droite. Ah, j'en fais aussi un petit bassin latéral au bassin principal qui permet éventuellement aux nageurs qui le souhaitent de s'échauffer. Et voilà, Flavian Ferron qui en finit avec ses 400 mètres. Félicitations Flavian. Voilà, c'est terminé. Série 2 de 2 maintenant. Série 2 de 2, 4 nageurs alignés. Couloir numéro 2 en bas de votre écran, Antoine Dubrinquier du Val-de-Meung, natation, 12 ans toujours, en 5 minutes 42 secondes et 10 centièmes. Alors Bjorn Vanhoven du Mosan, couloir numéro 3 en 5-15-50. Ethan Ramey, couloir numéro 4 du swimming team de Dizon, qui lâche lui en 5 minutes 40 secondes et 86 centièmes. Et puis Yacine Amri du Mosan en 5,42,32. Le plus rapide étant donc Bjorn Vanhove, Lingdo numéro 3, que vous voyez ici, qui nage en 5,15,50, je vous le rappelle. Vous voyez, ça nage déjà vite. Garçon, nage libre, 12 ans, 400 mètres. Et Ethan qui prend la tête de cette piste, de cette course, pardon.
Allez, ceci est l'épreuve 2 qui nous amènera jusqu'à 9h39. Je vous le rappelle, l'accès à la piscine est ouvert. Si vous voulez venir, vous pouvez. La cafétéria est également équipée. Il reste quelques places, je vois. Sinon, venir encourager vos enfants sur le bord de la piscine, n'hésitez pas. Il y a pas mal de places. Allez, Bjorn, talonné par Antoine et Ethan. Yacine un tout petit peu plus loin. Je dirais que Ethan et Antoine font une excellente course au vu de leur temps référence. Donc eux qui ont tous les deux un temps de 5,40 et 5,42 respectivement. Voilà, ça se voit légèrement, mais ce n'est pas violent. Allez, ça nage vraiment bien. Virage de Bjorn, Ethan et Antoine. Et Yacine qui finit sa longueur aussi, qui tente de ne pas se faire trop distancer. Allez, Bjorn ici, qui maîtrise un peu la course. Et Antoine qui tient bien. Le nageur du Val de Beugne fait son virage maintenant. Vous ne le voyez pas à l'écran, mais moi je le vois. La deuxième partie, je vais essayer de trouver un angle qui est peut-être encore un peu meilleur. Dimanche 14 janvier et Challenge Jules Georges, 54e édition. Et Bjorn ici qui prend définitivement une bonne longueur d'avance maintenant sur ses poursuivants. J'exagère un petit peu, une bonne demi-longueur. Une bonne demi-longueur. On a Antoine vraiment bien dans sa course également. Ethan aussi, Yacine qui souffre un tout petit peu plus. Allez, Bjorn ici qui rattrape Yacine. Et qui en a fini avec ses 400 mètres. Antoine Dubrinquet également. Et Ethan dans un dernier sprint qui finit ses 400 mètres également. Félicitations les garçons. On va suivre Yacine maintenant que vous voyez à l'écran. Virage pour Yacine. Dernier 25 mètres, Yacine. Et ceci clôturera la série.
Enfin, l'épreuve numéro 2, série 2. 2-2. Voilà, Yacine qui termine sa course. Place maintenant aux filles 400 mètres 9 ans. 15 ans, 9 ans, pardon, oui, 2015. Excusez-moi, 9 ans 2015. 6 nageuses là par contre, alignées. Couleur numéro 1 en bas de votre écran, Lily Lheureux de Warem en 8-0-8-0-9. Couloir numéro 2, Charlotte Hansoul de Warem en 7-0-7-76. Couloir numéro 3, Jade Mewissen de Warem toujours en 6-34-44. Couloir numéro 4, Constante de Haas de Warem en 6-43-41. Couloir numéro 5, Fanny Lambert de Warem en 7-26-66. Et couloir numéro 6 en haut de votre écran, Céleste Dormal du Flipper Club Natation de Saint-Georges, 100 ans de référence. Voilà donc les bonnets roses en force dans cette course, avec des temps un tout petit peu disparates. Et Jade Mewissen, couloir numéro 3 que vous voyez ici en tête sur cette course, qui a priori a le meilleur temps en 6-34-44. Allez, Jade en tête ici. Je vais vous laisser apprécier cette course. Voyez déjà des différences de niveau, même technique. Et Jade qui pousse. On voit qu'elle a envie de faire la différence aujourd'hui. Constance qui tient bien. Et Charlotte qui talonne. Vous l'entendez peut-être, une belle ambiance autour de cette piscine aujourd'hui. Les entraîneurs et des camarades de nage qui encouragent. Allez, Jade qui fait toujours la course en tête là, suivie par Constance et Charlotte. Et lanterne rouge Céleste Dormal qui talonne Lily Lheureux. Lily qui, je vous le rappelle, a un temps en 8-08-09. Comme ça, vous avez une petite idée. Vous voyez peut-être les entraîneurs ici, le long du bassin qui encourage les nageurs. 400 mètres, c'est déjà une belle distance. Au bord du bassin, vous pouvez retrouver les directeurs techniques. Vous pouvez retrouver
Les entraîneurs. Je vous rappelle peut-être que si vos enfants souhaitent faire de la compétition, n'hésitez pas à l'ensemble de ces clubs, tous ceux qui sont présents ici, mais aussi ceux qui ne sont parfois pas en présent aujourd'hui, mais qui nous rejoignent régulièrement pour des compétitions, qu'elles soient locales, qu'elles soient régionales ou qu'elles soient nationales, ont des sections natation de compétition. Tous les clubs de la région ont d'excellents niveaux. Donc, où que vous habitiez, n'hésitez pas. Si vous aimez, si vous avez l'esprit un peu de la compétition, c'est un beau sport. N'hésitez pas, faites de la démarche, contactez votre club le plus proche. Et venez découvrir les plaisirs de la natation. Et pour ceux qui ont des parents qui font des compétitions, je m'adresse peut-être directement à vous, n'hésitez pas non plus. Vos clubs ont besoin de vous pour de l'organisation, pour du chronométrage, pour tout un tas de choses, pour permettre à vos enfants de faire ces compétitions. Ils doivent fournir effectivement des juges, des chronos. Alors effectivement, ça prend une demi-journée de votre temps ou une journée de votre temps. C'est pour la bonne cause. Et puis voilà, vous découvrez peut-être un peu le monde de la compétition de natation. Très agréable. Et pour régulièrement chronométrer, quand je ne fais pas cet exercice-ci, c'est une façon de participer à votre enfant à ces compétitions. Donc là, ici, allez trouver votre club si ça vous intéresse. C'est agréable et ça fait plaisir. Voilà. Allez, on est toujours sur cette épreuve 3, série 1 de 1. Avec Jade Mewissen qui enfonce le clou. Et qui en finit avec son 400 mètres. Allez, virage couloir numéro 4 de Constance. Et numéro 2 de Charlotte. Vous les voyez ici à l'écran. Et voilà, c'est Constance qui en finit également. Et Charlotte, vous voyez ici en bas, qui produit son effort. Alors, Fanny Lambert vient de faire son virage. Et Lily Lheureux également. Je viens de la voir tourner, vous ne la voyez pas à l'écran, mais elle va apparaître dans quelques secondes. La voilà. Et puis, couloir numéro 6, Céleste Dormal, qui vient de faire son dernier virage également. Ceci va clôturer l'épreuve numéro 3 de ce challenge Jules Georges. Voilà, je vois sur mon planning qu'une pause est prévue jusque 10h26. Soit dans approximativement 40 minutes. Et un peu moins. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette première partie. Je vais quand même vérifier que je ne vous dis pas de bêtises et qu'ils n'ont pas changé le programme. Donnez-moi 2 petites secondes, je vais checker ça. Voilà, c'est bien correct. Reprise donc de l'antenne à 10h26. Je vais continuer à diffuser. D'accord, je vais vous indiquer un petit message pour l'heure de la reprise. Mais donc, reprise, je le disais. À 10h26. Merci à vous. Et à tout à l'heure.
Et voilà, reprise. On la voulait promis de la compétition. Alors, fille libre. Épreuve numéro 5, fille 400 mètres nage libre. On l'avait dit tout à l'heure, j'ai peut-être bougé ça parce que. Voilà. Alors, je disais, épreuve 5, fille 400 mètres nage libre, 13 ans, avec 6 nageuses dans le bassin. Couloir ligne d'eau numéro 1, donc en bas de votre écran ici. Margot Deveux. Flipper Club Natation, 100 ans de référence. Couloir numéro 2, Nilda Bilquet. De l'ESN en 5,50-48. Couloir numéro 3, Lauraline Marshall de Namur Olympic Club en 5,15-23. Couloir numéro 4, Eva Paco de l'ESN en 5,40-72. Couloir numéro 5, Nel Parisi de l'ESN toujours en 6,13-00. Et couloir numéro 6, Elsa Roland du Flipper Club Natation de Saint-Georges, 100 ans de référence. Alors j'ai essayé de changer un tout petit peu le calibrage. Je ne sais pas si c'est beaucoup mieux, fondamentalement. Vous voyez la ligne de départ et la ligne de fin de certaines lignes d'eau. Et je m'excuse pour la ligne d'eau numéro 1 et 2, qu'on voit du coup un petit peu moins. Voilà, allez, Lauraline. Qui est bien parti, 5-15-23, je vous disais. Nage libre, fille, 13 ans. Voilà, deux séries donc pour cette épreuve numéro 5 qui nous amènera aux alentours de 10h40. J'espère que vos enfants sont dans le couloir. 3, 4, 5, 6, c'est là qu'il y a de loin la meilleure vue. Je suis désolé d'avoir l'écran un peu coupé. On va essayer de trouver une alternative encore à ce petit souci. Et bienvenue donc pour cette deuxième partie de la matinée qui nous emmènera à 10h45. Donc toute petite épreuve, seulement trois séries en cette fin de matinée. Et puis on se retrouvera à 14h pour la reprise de la compétition jusqu'à 16h avec les compétitions de l'après-midi.
Allez, vous voyez Margot qui vient de passer à l'écran. Et Nilda Bilke qui a terminé ses 400 premiers mètres. Je vais vous montrer Margot. Vous ne la voyez pas à l'écran, mais moi je la vois. Voilà, elle va repasser dans pas longtemps à l'écran. Couloir numéro 4, donc Eva Paco, qui a également terminé son 400 mètres. Voilà, Margot qui revient. Et puis Elsa et Nel qui font le virage au bout de votre écran. Voilà, Nel qui en finit. Elsa et Margot, donc toujours en lice. Allez, Elsa Roland qui termine son 400 mètres. Félicitations, mesdemoiselles. Série 2 de 2 maintenant. Toujours fille 13 ans. Couloir numéro 1 en bas de votre écran. Lilwen Deguins, Mozan 4,54,04. Couloir numéro 2, Elena Uegria de Warem en 4,48,40. Couloir numéro 3, Laurine Delsar, Liège Natation en 4,45,35. C'est la plus rapide de cette série. Couloir numéro 4, Clémence Bajot, Liège Natation en 4,46,76. Couloir numéro 5, Jeanne Jorissen, Liège Natation 4,48,58. Et couloir numéro 6, en haut de votre écran, Lina Abdelkalek de Warem en 4,55,53. Alors vous voyez, le niveau est assez élevé. Je ne sais pas si vous l'entendez, probablement pas. Mais moi, j'entends bien l'eau. Et on entend toute la puissance de ces nageuses. Regardez ici, couloir numéro 1. Lilouen qui fait un très bon départ. Couloir numéro 5 également. Jeanne Jorissen. Et couloir numéro 2, Elena Uegria. Les nageuses sur la même ligne. Peut-être même essayer de vous la montrer. Attendez, je vais essayer ça. Allez, virage des nageuses. Allez, disputer là, couloir numéro 2, couloir numéro 5. Allez, 400 mètres, c'est long, hein. Voilà, vous suivez comme ça les virages. Allez, à bataille couleur numéro 4 et 5, Clémence et Jeanne.
Voilà, ça revient encore. Toujours couloir 4 et 5, 5, 4 et 5, oui, je ne dis pas de bêtises. Jeanne et Clémence de Liège-Nats. Allez, Warem, Elena qui tourne, Laurine qui tourne. Pardon, oui, Laurine qui tourne, Lilouane qui tourne. Allez, ça vire vite. Les plus rapides qui sont déjà repartis. Je vous rappelle que nous sommes en bassin de 25 mètres, donc ça fait quand même quelques longueurs à faire. Presque 5 minutes de nage. Allez, une demi-longueur maintenant, ou une longueur d'avance pour les plus rapides. Et voilà, Laurine et Elena qui en finissent avec leurs 400. Qu'est-ce que je raconte moi? Jeanne et Clémence, excusez-moi. Elina et Laurine. Voilà, merci les filles pour cette belle course. Maintenant, épreuve 6, garçon, 400 mètres, nage libre, 13 ans. 6 nageurs dans l'eau. Couloir numéro 1 en bas de votre écran, Romain Le Gros Collard, Mauzan, 5-14-44. Couloir numéro 2, Baris Conakry, du Namur Olympic Club, en 4-51-44. Ensuite, Alexandre Glotkiewicz de Warem, en 4-26-13. Per Yanen de Warem, en 4-44-99. Duarte Cho de Warem, en 4 56-51 et puis Timothée Libert de l'OSN en 5-59-71. Alors par contre, couloir numéro 3. Non, je ne le voyais pas, mais en fait je le vois à la caméra. Voilà, virage d'Alexandre. Allez, virage Alexandre, virage Barry Sepper, virage de Romain, Duarte et Timothée. Allez, un Per Jeannone là qui talonne. Alexandre Glotkiewicz. Il y a un Baris Conakry qui fait aussi une très belle course. Voilà, je vous laisse admirer ces virages. Hein. On sort des garçons de 13 ans. Vous voyez déjà le beau niveau. Allez, Romain qui ferme la marche. Ah non, je dis des bêtises. C'est Timothée Libert qui ferme la marche et Alexandre qui la tire. Ouais, difficile de tout vous montrer. On va essayer de vous montrer l'ensemble ici.
Allez, virage ici encore Alexandre qui aura pris maintenant une demi-longueur d'avance sur son compatriote de nage Perianen et Baris Kronakri. Ou Duarte plutôt, qui est aussi juste derrière. Alexandre qui creuse encore la distance ici. Ouais, il y aura Chambaud, assez souple. Alexandre qui termine sa course donc. Perianen juste derrière. Paris Conakry. Et Duarte Shaw reste Romain ici en bas de l'écran. Qui va également clôturer maintenant. Et Timothée Libère. Qui repart pour sa dernière longueur, vous le voyez en haut de votre écran. Voilà, virage de Timothée. Et arrivée dans quelques secondes de Timothée, ce qui clôturera l'épreuve numéro 6. Et nous ferons la pause de midi pour une reprise à 14h. Ça va, donc je vais couper l'antenne ici. Je vous propose de se retrouver tout à l'heure, 14h, fidèle au poste. Reprise donc à 14h. Bon appétit. Si vous mangez. Et au plaisir de vous revoir dans quelques heures. Voilà. Merci d'avoir suivi avec nous cette compétition ce matin. On se retrouve à 14h. Bon appétit. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez l'occasion. Ça fait toujours plaisir. Merci. Au revoir.